Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Final Fantasy VII. Et tout de suite on va reprendre le jeu là où on l'avait laissé, c'est-à-dire donc au Fort Condor, puisqu'on était parti faire un petit peu les quêtes annexes avant de continuer notre voyage. Alors, un petit truc sympa qu'on pourrait faire aussi, c'est... Allez, il est temps de faire une pause. Oui, prenons un peu de repos. Voilà, comme ça on va récupérer les HP et les MP. Tac, on va juste regarder un truc, c'est bien ce qui me semblait. Il va être bientôt temps de refaire le plein d'hyper. Hop. On va remonter, faire donc la deuxième mission, si on peut. Si on peut. Comment ça va? On dirait qu'il n'y a aucune activité à la Shinra. Bien, tu as des questions? Non, c'est bon, ça y est. Ah bah non. Apparemment, on peut pas aller plus loin. Bon, bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. On avait fait notre part du boulot. Impeccable. Item, allez, zou. Allons voir. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est quoi ces déplacements? Bonjour, fais de ton mieux, nous ferons aussi de notre mieux. Alors, impeccable, non, ça ne m'intéresse pas. Attends, là. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il nous en reste 12, j'en achète 8, et logiquement... 18, pardon, voilà. Et on a refait le plein. Ah non, voilà, là on a fait le plein, impeccable. Donc il nous en reste 30, ce qui nous fait une dizaine de fois pour l'ensemble de l'équipe. Ce qui est vachement intéressant d'un sens. On pourra donc se mettre en super fureur de la mort quand on voudra. Tac. Et voilà, donc on sort du Fort Condor. Donc prochaine mission du Fort Condor, je ne sais plus quand. Je sais plus du tout. Pas grave, dans tous les cas, on a plein de choses à faire. Plein de choses intéressantes. Récupérer, enfin aller du coup dans la forêt endormie. Alors, par où qu'on y va déjà? Non, oui, je crois que c'est par là. Je m'étais pas trompé. Il me semble qu'on est obligé de passer par l'extérieur pour y aller. Et on n'a toujours pas eu notre combat de l'épicness, ça va falloir remédier à ça bientôt. Il va falloir remédier à ça. Alors, puisqu'on passe pas loin de la ferme Chocobo, je voudrais juste vérifier un truc. Comme ça, on va peut-être pouvoir avoir notre combat. Ah, le voilà! Le voilà, le combat de l'épicness. Ou presque, du moins.
Allez, vas-y. Oh, raté, raté. Oh, c'est un échec. Tiens. Ah, Dash, il fait quand même 600 de dégâts. C'est pas négligeable. On va pouvoir faire le point aussi sur les matérias. C'est un peu le moment de remettre tout en question, là. Bienvenue. Que dirais-tu de matériaux à pas pour Chocobo? Cela augmente à chaque niveau. C'est plus facile pour toi de trouver un Chocobo. Ben, c'est cool, mais... c'est tout? C'est tout ce que t'as à me dire? Les réfrigérateurs sont moins chers chez But? Ah, lui, on peut lui acheter des trucs pour apprivoiser des chocobos. Si t'es vraiment fier, non? Mais ne t'énerve pas contre mon frère, vieux. C'est comme ça depuis que papa et maman sont morts. Oh, les pauvres. Non, je pense pas. Je pensais pouvoir... je pensais que ça avait déverrouillé les box pour les chocobos, mais apparemment, c'est pas maintenant. C'est pas tout de suite, tout de suite. Parce que oui, on va faire aussi un peu de chocobos, tant qu'à faire. Attendez. On va visiter un petit peu tout ce qui se fait, hein. Y a pas de raison. Y a pas de raison. De raison. Ah bah 3. Ah bah impeccable. Et de 2. Et le troisième. Et voilà, ils ont pas le temps d'attaquer. Merci, au revoir, c'était sympa. Oh, 2 super potions. Eh, n'empêche, 2 super potions. Alors que y a des mobs qui sont bien plus haut level qui m'ont filé juste des potions. Des potions, quoi. Faisons le point sur les matérias. Ici, bon, bah c'est pas maintenant, hein. Restaurer. Ah, ah. Dans pas trop longtemps, ça va encore. Bon, effet supplémentaire, on oublie pour le moment. Mystifier, ouais, ça commence déjà à pas mal baisser, c'est pas mal. Odin, bon, bah on a fait un... pas encore la moitié du chemin, mais bientôt. Super chance, on vient juste de l'avoir, donc c'est normal. Bahamut, c'est normal aussi. Ranimé, ouh là là, c'est dans quelques années. Salut Mario! Tu arrives pile poil pour la suite, on dirait. Lancer, pouh, bon, bah ça, on oublie, quoi. Terre, bah, c'est pas maintenant non plus. Alors, Titan, bah, pareil. Élément de base, ouais. Il y aurait quoi, là, qui pourrait... Ouh, ouh là là, absorption MP, ouh là là. Atari à tout manipuler, ouais. Contre-attaque, ça sera sûrement pas mal. Couverture, elle a déjà pas mal monté, hein. C'est quand même une 3 étoiles maintenant. Coup mortel, faudrait peut-être que je l'utilise un peu plus de temps en temps. Bon, bah, talent de l'ennemi, ce serait peut-être bien de voir Suicide N4 aussi. Parce qu'on est plus ou moins dans la région où on peut aller le chercher. Ifrit, ben c'est déjà bien qu'elle soit 2 étoiles. Pareil pour Shiva. Et puis si on regarde finalement, bon bah... il manque pas tant que ça pour qu'elle monte de level, hein. Ramoth, ben ça c'est pareil, ça va venir, comme le Chocobo d'ailleurs, mais Chocobo a déjà 2 étoiles. Ça c'est pas maintenant, ouais, bah bon, là on dirait que en fait, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir faire quelque chose. Donc bah, on va continuer. Puisque il n'y a plus que ça à faire. Et là, faut trouver en fait de l'ennemi qui donne beaucoup d'AP et beaucoup d'expérience. Hein, parce que. Donc il faut trouver des ennemis vachement plus forts.
vachement plus épique. Donc là, on est au village de Calm. C'est dingue de voir comme tout prend une autre dimension quand on voyage à l'aide d'un radeau, entre guillemets. Par voie maritime, pardon. J'allais dire fluviale, mais fluviale, c'est par les fleuves. J'espère que vous, de votre côté, vous vous amusez bien pendant vos vacances d'été. Et j'espère que bah, pour ceux qui ne sont pas partis, j'arrive un peu à les divertir un minimum. Et on va essayer d'avoir un petit combat là, allez. Yeah, le deuxième combat de l'épicness. Bah cette fois-ci c'est un vrai combat. Ah, voilà, ça y est. On va essayer de voir si on peut récupérer ça. Bien s'il me semblait. Ça l'a pas tué, donc ça c'est une bonne chose. Ah non, ça c'est très mauvais ça. Pas encore manipulé. Ah bien, bien, ça me donne des thunes. Essayons de voir si on peut l'empoisonner une deuxième fois. Ça l'a pas tué. Dommage, j'aurais aimé avoir sentir. On va essayer à chaque tour hein, d'essayer de le manipuler. Impossible de manipuler. Non, ça l'a pas tué, ça c'est cool. Waouh! Zou! Magma! Ah! Ça fait mal ça. Petit coup de propulsion. Allez, logiquement, ça devrait pas faire trop de dégâts étant donné que... Ouais, c'est ce qui me semblait. Allez, on va essayer de le manipuler pour qu'il nous donne cette attaque de suicide N4. Il nous la faut. On n'a pas pu la récupérer? Non mais... Eh hey.
Vous pourriez aller vous faire foutre aussi, non? Ils sont juste relous. Mais sérieux? Mais lâchez-moi! Oh, quelle bande de relous! Ah bah voilà, je l'ai là. Ok, d'accord, donc ça c'est bon. J'avais pas vu mais je l'avais. Ifrit, gardien des portes de l'enfer, emmène ses ennemis avec toi et réduis-les en cendres. Yeah! Alors... Si ça, ça marche pas, au pire, un petit coup de lance-flamme te fera du bien. Tout à fait. Hop. Bio 2. Bon, là, j'ai que du... que des trucs un peu pourris. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attaquer. Tiens! Et ben voilà. Bon. Bien relous ces petits écureuils. C'est les écureuils du troll. Voilà, donc on a récupéré en fait le talent ennemi qu'il nous fallait. C'est impeccable. La harpe lunaire se trouve enfouie ici quelque part. Nous pourrions la déterrer si tu le souhaites. Bah ouais, on va commencer à creuser. Tu ne cherches pas seulement la harpe lunaire. Tu nous demandes de creuser, mais pour trouver quoi d'autre encore? Prendre un trésor ordinaire. Bien, alors je vais y mettre quelques-uns de mes hommes. Montre-nous l'endroit où tu veux que nous creusions. Alors, appuie sur la touche carré pour envoyer les hommes à leur poste. Alors, le mieux c'est d'en mettre un ici. Voilà. Un ici. Un ici. Un autre ici. Et un par ici. Voilà. Je pense qu'on est bon là. On va essayer de déterrer 2-3 trucs. Comme il y a des trucs sympas à récupérer en plus. Appuie sur la touche carré pour allumer la bombe et lancer la recherche. Chacun des hommes mesurera les secousses et regardera l'objet en terre. En d'autres termes, le regard se fixera à l'emplacement des fouilles. D'accord. Ben, impeccable. Alors,
Pour sélectionner l'emplacement des fouilles, déplace-toi jusqu'à l'emplacement et appuie sur la touche carré. Les hommes creuseront et chercheront l'objet. Donc, si on se fie à lui, qu'on suit son regard, logiquement, ça nous donne ici. Quelque part par là. Ouais. Je dirais même... Maintenant, on va regarder en bas ce qu'eux, ils pensent. Ouais, eux, ils regardent... Bon, à mon avis... Vous savez quoi? Ça va être le truc noir, là. Ça va être quelque part par là. Les hommes vont maintenant creuser à cet endroit. Ce qu'ils rapporteront de la fouille sera placé pendant la nuit dans le coffre à trésor de la ville. Super! Voilà, donc ils m'ont rapporté de l'éther, ce qui était nul en soi, mais... C'était surtout pour le principe. Maintenant, je veux commencer à creuser. Toujours un trésor ordinaire. Lancer une fouille. Lancer une fouille. Ah. Lancer une fouille. Allez, dépêche-toi. Mène tes fesses, j'ai pas que ça à faire. Go. Et voilà. Me demandez pas comment on fait pour aller sur l'échelle en même temps. Je n'en sais rien. Chacun des hommes mesurera les secousses et regardera la vie en terre. En d'autres termes, le regard se fixera à l'emplacement des fouilles. Apparemment, il regarde par là. Mais bon. Moi, personnellement, je sais qu'il y a un objet ici. Les hommes vont maintenant creuser à cet endroit et blablabla. Voilà. Alors Mop est une arme pour Sid. Mais quand on regarde, elle a aucun orifice et elle n'augmente rien. Par contre, voilà quoi, hein, c'est un truc d'attaque 68 et en pourcentage d'attaque, on est à 118%. Truc qui fait mal quoi. Je crois que j'ai fait de la merde. Ouais, c'est ça. Donc sinon, maintenant... Je veux commencer à creuser. On va chercher la harpe lunaire. Bien, alors je vais mettre quelques-uns de mes hommes. Montre-nous l'endroit où tu veux que nous creusions. Hop, et d'un, et de deux, et de trois, et dépêche-toi.
Alors, en règle générale, les speedrunners, en fait, ils vont en mettre qu'un seul parce qu'ils savent exactement à quel endroit il faut chercher la harpe lunaire. Moi, ça fait un moment que j'ai pas joué et puis je le speedrun pas le truc. C'est pas mon but, surtout je veux le faire découvrir. Donc on s'en fout, on dépense de l'argent. Donc ils regardent tous plus ou moins par là. Et Nabo regarde aussi par là. Bon, je pense que c'est par ici. Sans doute. Hein. Dans tous les cas, même si on est un ou deux millimètres à côté, ça marche quand même. Hein. Faut pas déconner. D'accord, donc c'était pas la harpe lunaire. Oui, je veux commencer à creuser. Bien, alors je vais mettre quelques-uns de mes hommes au machin, ok. Là. 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 Et là. Le dernier. Bon Mario, comment s'est passée ta fin d'après-midi à toi? Ah, je suis caché. Oui, 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 je sais, dépêche-toi. Donc c'est quelque part par ici. Hein. Voilà. Ouais. Je l'ai. On va enfin pouvoir aller dans cette foutue forêt. La fameuse forêt endormie. Ah, mais qu'est-ce que c'est ? La forêt endormie s'est réveillée. Ah, attendez. Yeah, je l'ai. Voilà, là il y a une matéria à récupérer, c'est une matéria d'invocation qui est juste hyper bien. Qui va remplacer Titan. Qatar. Et voilà. Et qui fait une magie de... qui est censée faire 5 éléments, mais... qui n'en fait pas malheureusement, qui fait que 3 éléments je crois. Cercle d'eau, alors... voyons voir, cercle d'eau... Où est-ce qu'on est sur cercle d'eau? Voilà, stop les attaques d'eau.
ça c'est pas mal. Et le gilet de protection, impeccable. Donc avec ça, normalement, on est bien équipé. Il n'y avait pas un truc par ici? Non, il n'y avait rien du tout. Ok, combat. Ça va être les premiers ennemis du coin. Ça, c'est bien, ça. Ah, on a une contre-attaque de la part de Dash. Et en fait, on va vite voir que les ennemis du coin sont assez relous, entre guillemets. Tranquille, Claire. Laissez-moi reprendre toute ma vie. Ou quasiment toute. C'est marrant de voir qu'ils attaquent toujours le même perso. Hein. Oh, les gros relous, quoi. Ah, sur le même perso, ça c'est cool. Quand même 5 attaques de suite sur le même perso, quoi. What? Tiens! Allez, reviens à la vie. On a besoin de toi. Allez tous pourrir en enfer. Bêta. Ça devrait vous calmer, ça. Alors, magie, mais vos idées ont du génie. Tac. Impeccable. En tout cas, bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ce live de l'Epicness sur Final Fantasy VII. Allez. Ah, voilà. Donc on y est. Et là, il y a pas mal de trucs à faire. C'est un endroit extrêmement intéressant. Déjà, on a pas mal d'endroits à visiter en soi. Là, une source de magie qu'il faut pas oublier parce que ça reste sympa. Tac, on va faire un petit enregistrement. On va insérer notre délicieuse sauvegarde dans la fente numéro 2. Ce qui est fait. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est? Parole des anciens?
Rien à faire, je n'arrive pas à comprendre. Alors par là, oui et non. Je sais qu'on a des trucs à aller chercher, voilà ça. Bracelet Aurore, yeah! Faire un petit équipement. Là, c'est le bracelet dragon. Là, le bracelet aurore est génial. Mais le problème. Le problème, c'est qu'il a pas beaucoup de slots. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme matériel ici? On a lancé éther. On pourrait oublier hein, en soi. Tant qu'on a ça, logiquement, on est impeccable. Ouais, si, si, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc on va mettre le bracelet Aurore ici. Ici, on pourrait mettre un bracelet du dragon. Dragon! Alors, on a un longue portée. Le longue portée, on va le virer. Par contre, on va mettre lancer. Et on doit avoir quelque chose qui peut faire la différence. Sur dash, peut-être, qu'on a ça. Matériel à tout, une absorption MP et notre matériel à tout. Prendre celle-là et on va mettre la longue portée ici. Je sais pas si on peut lancer sur tout hein. Je teste des trucs, on verra bien. Attendez une seconde, juste une seconde. Logiquement. Oui, voilà. Tac. Allez. Fais quelque chose. Non, tu veux pas? Bon, ok. Je pensais qu'on pourrait le déclencher là, mais apparemment non. C'est calme ce soir. C'est la chaleur qui vous fait ça? Tac. Alors, on repasse par ici. Alors. Attendez, une petite seconde. Tac, voilà, c'est réglé. On va aller aussi par là. On a d'autres trucs à récupérer. On a plein de petites choses à faire. Tac. Et voilà. Une autre source. Et là, ceci, c'est une source de protection. Source de protection qui est intéressante à avoir à ce moment-là du jeu.
Ah, encore ? Ce flux de connaissances, est-il possible que ces paroles soient celles des anciens ? Rien à faire, je n'arrive pas à comprendre. Notre coffre, et là on reçoit un élixir. Toujours intéressant les élixirs. Quel plaisir! Je n'arrive pas à croire que nous ayons pu découvrir un lit si confortable dans un tel taudis. Je n'en peux plus! Pourquoi on ne se répéterait pas un peu? Oh non, pas maintenant les mecs, hein. Sérieusement, pas maintenant. Alors oui, j'avais vu ça. Tac. On n'est plus en fureur. Non, 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 honnêtement, on n'a pas besoin de repos. Tac. Là, on arrive de l'autre côté. Ce qui me semblait. Mais par contre, il y a un truc à faire ici. Je sais plus quoi. Enfin, bref. Dans tous les cas, il ne reste plus qu'un endroit à visiter. Donc là, on se trouve bien dans la cité des anciens, hein, bien sûr. On a quitté la forêt endormie. C'est marrant parce qu'en fait, quand on regarde ça, il y a beaucoup d'images qui sont... sont récurrentes dans Final Fantasy. Là par exemple, la grande allée qu'on a dépassée me fait fortement penser aussi à Final Fantasy X. Voilà, et la Materia Comète. Toujours bon d'avoir des comètes avec soi. Hein. Attendez une seconde. On peut passer là. Mais comment? Je sais plus. Je sais plus comment on passe ici. Il y a sans doute un moyen. Alors. Ah oui, je suis bête. Comme mes pieds, non? C'est pas par là? Voilà, c'est cette allée là que je parlais qui me fait penser à une à un moment dans Final Fantasy X. Je m'y connais beaucoup moins dans Final Fantasy X que dans le 7, hein. Le 7 étant bien sûr mon préféré. Et donc on va continuer par ici. Hey Virus, t'as l'intention d'aller faire du ski? Si on veut retrouver Paris, c'est par là-bas.
D'accord, vieux, mais alors je me souviens plus comment on fait. Je sais qu'il faut aller voir ce fichu cristal à la mort moelleux, mais... C'est qu'il faut aller par là. Ok, c'est donc ici, logiquement. Non, c'est pas ça. Bah merde. Bon bah alors. Non, y a rien là. Oula, problème de mémoire de mon côté, hein. Pas un genre d'interrupteur quelque part. Bizarre, il me semblait qu'il fallait faire quelque chose à cette fameuse colonne. Ah, oh, encore! Ce flux de connaissances. Est-il possible que ce soit les paroles d'un ancien? Rien à faire, je n'arrive pas à le comprendre. Bon bah d'accord. Ce qui veut dire quoi? C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai du mal à me rappeler, hein, honnêtement. Je sais pas du tout ce que je dois faire. Par là, je pense pas. Voyons voir, et là. Impossible de faire une diagonale dans ce jeu. Pas avec une manette de Xbox. Hein. Non, je veux pas prendre du repos. Est-ce qu'on serait pas plutôt obligé de dormir ici? Je me souviens plus si on n'est pas obligé de dormir ici justement pour déclencher la suite. Me semble bien. Parce que là, j'ai beau chercher... Nada, hein, que dalle. Il se passe rien. Je suis coincé ici. Et je peux rien faire. On va quand même aller dormir. Bah, je sais que j'ai gâché 3 hyper pour rien, du coup. Je suis à peu près certain que c'est ce qu'il faut faire. Quand c'est comme ça, quand c'est coincé, qu'il n'y a rien à faire, c'est souvent comme ça que ça débloque la situation, bizarrement. Et donc, c'est ce qui me semblait. Je sens que... Hey, Virus, quel est ton problème? Aeris est ici. Et Sephiroth aussi. Impossible, Sephiroth n'a pas été invité.
Mais comment tu le sais? Ce n'est pas une excuse. Je le sens au plus profond de moi-même. Ça veut dire que c'est plutôt mal parti, n'est-ce pas? D'accord, grouillons-nous et allons chercher Iris. Ah ah, je sais exactement où passer. La voix d'Iris, elle vient de cette direction. À mon avis, dans FF10, ils sont pas mal inspirés de ce qu'étaient les autres FF avant. De toute façon, l'univers de Final Fantasy reste basiquement le même. Il y a de l'évolution au niveau de l'histoire, mais au niveau de l'univers, ça reste assez similaire. Et voilà pourquoi on pouvait pas descendre. Tadadam! What? Une petite sauvegarde. On va insérer notre sauvegarde dans la fente numéro 2. Voilà, impeccable. C'est vachement joli quand même, hein. C'est hyper bien foutu. Alors je parie qu'il y en a beaucoup qui savaient pas qu'on pouvait aller là. Quand ils ont joué à Final Fantasy VII. Pour ceux qui y ont joué, hein, je parle. Et on sait qu'Aeris c'est juste là du coup, juste en bas. En bas. Coco, c'est nous, on est venu te chercher. Mais je vais pas descendre ces escaliers tout de suite. Pourquoi? Bah parce qu'il est bientôt l'heure. Et comme j'ai encore envie de faire durer le suspense. En suspense, je vais vous laisser là. On va se laisser juste ici. Et on reprendra en fait ce live de l'Epicness sur Final Fantasy VII d'ici lundi soir. Lundi soir, donc 21-22h. Je vous remercie d'avoir suivi ce live de l'Epicness. Je vous donne donc rendez-vous lundi soir. N'oubliez pas lundi matin, éventuellement live sur Minecraft si j'ai des nouvelles de Dragcraft, je vais voir ça. Sinon, ça sera un live sur Minecraft, mais on reprendra un peu la partie solo, on verra ce qu'on fait. Ça ne nous empêchera pas de discuter ensemble. Du coup, dans l'après-midi, n'oubliez pas aussi de 16 à 18h le live détente, c'est les vacances. Avec, donc, on reprendra la Pucelle Tactics ainsi que Victor sur lequel j'ai farmé un peu pour me permettre, pour les fameux boss que j'arrivais pas à passer la dernière fois. Et cette fois-ci, je pense qu'on devrait être pas mal. Voilà, et puis bah sinon, bah voilà. En tout cas, très très gros bisous à tout le monde, merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, et surtout, hashtag amour viril, yeah.